Bonjour et bienvenue dans votre cafard pour le troisième épisode de notre Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. On va attaquer la troisième mission de notre campagne. Avec l'artefact en votre possession, vous devez attendre votre transport à la station nulle part pour quitter Marsaran. Le vaisseau est en route. La prudence est recommandée. Les forces de maintien de l'ordre du Dominion pourraient pister l'artefact jusqu'à la station. Ça sent roussi. L'objectif étant tenir jusqu'à l'extraction, et la nouvelle unité entre guillemets qu'on a, c'est le bunker. Donc bon, ça sent la grosse mission défensive. On est parti. J'ai un transport qui va passer nous prendre. On n'a qu'à attendre bien sagement. Ça devrait pas être trop dur. Et puis on a bien mérité une petite berne. Commandant, importante concentration de biosignatures Zerg en cours d'atterrissage. J'aurais dû m'en douter. Va te faire foutre, Ticus. Je te jure, mon gars, personne m'avait parlé de Zerg. Au vu de leur trajectoire actuelle, les Zerg auront envahi notre position dans l'heure. Bordel. Va falloir tenir assez longtemps pour se faire sortir de là. Coucou les copains. On arrive à tenir les deux ponts aussi longtemps que possible. On a peut-être une chance. On va avoir une sacrée baston sur les bras. Ce genre de merdier, ça me connaît. Pas contre les Zerg, crois-moi. Bon. Ok. Alors. Leur H. Alors, si cette mission vous rappelle des choses par rapport à StarCraft 1, c'est normal. Hein. Comme d'hab, survivre 30 minutes face à des Zerg, en étant Terran, sur Marsara. Oui, ils ont complètement refait la mission. Mais elle va être un petit peu plus intéressante. Un petit peu sympa. Je pense qu'on va bien s'amuser quand même. Allez, soyons pas vaches. C'est parti! Alors, il nous faut une bonne économie, il nous faut de bonnes bases. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut plein de trucs. On a des bunkers. On a des bâtiments civils. On a du zerg à l'extérieur. Évacuation dans 20 minutes. Ah, c'est que 20! Oh, bah ça ira vite. Alors, bunker, ok. Tac tac tac, plus de tout. Vous êtes au groupe 4, vous au groupe 5. Il nous faut plus de marines. Il va nous falloir des médics. On a des médics, on n'a pas de médics. Ok. Alors, changement de plan. Labo technique, réacteur. Ouais, on utilise notre gaz. Il nous faut plus de gaz. Raffinerie. Tour exence missile, centre technique. Ouais, on peut maintenant faire nos améliorations pour les marines. On pourrait... Annexe terminée. Je me demande si on va pas abandonner cet endroit-là, qui est assez chiant à défendre, pour se concentrer sur des défenses ici. Parce que maintenant, on peut vendre les... Oh, non. Si, on le vend. Allez. On va vendre les bunkers. Et voilà. Parez à tirer. On se fait déchirer, là. Faut qu'on se retire plus en hauteur. Ouais, ouais, c'est surtout moi qui ai vendu les bunkers, t'en fais pas. Attention, et du Zerging. Ouh, ça c'est pas du Zerging ça. Allez, on va se défendre d'en haut, ça sera plus efficace. On est parti, plus de médics. On peut avoir un médic? Ah, j'aurais pas dû faire de médic. On en est où des récoltes? Plus de gaz. À tous ceux qui captent ce message, on est coincé près de la station nulle part. Ceci est un appel à l'aide. On arrive, on vient vous aider. Pas de soucis, on est en route. Les rebelles de Raynor sont en route. Toujours prêts à sauver tout le monde. On est parti. Go, go, go. Oh putain. C'est des triches de s'enfuir. Encore du monde. Aïe, hop. Salut, merci pour les ressources. On sait qu'on était foutus. Mais non, on est toujours là pour sauver tout le monde. On est parti. Alors, avec ce gaz, on va pouvoir faire des améliorations, ça va bien nous aider. Toi, tu vas récolter. On s'en fout. On a 3 VCS qui foutent rien, carton de récolter. Il nous faut plus de VCS, plus de troupes aussi. Les bunkers, remplissez les bunkers. Oh putain. Attention, il y a du monde quand même, hein. Multiples objets volants détectés. Heure d'arrivée estimée à peu près tout de suite. Merci, très utile. Ils sont où? Tu m'as annoncé des trucs volants, là. Ils sont où? Là, ils arrivent.
Oh, il y a du muta là. Oh, il y a du muta. C'est pas une tourelle qui va les repousser. Ah, on a quand même eu un des métallistes. Attention, ils arrivent. Préparez-vous. On y va. Dinguez-moi ça. Voilà. Bien, 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 bien. Alors, plus de médic. Et plus de marines. Mais si, il y a assez de minerais. Qu'est-ce qu'on a? Il y a encore ces trucs un peu partout. On n'est pas encore prêt à faire de sortie. On va essayer de sortir et de péter quelques ruches zerg. Mais on n'est pas encore prêt à le faire. On n'a pas encore assez d'unités. Elles ne sont pas améliorées. Tout ça, tout ça. Les petits zerglings là. Ils sont tout mignons. Plus de VCS. Faut que ça récolte. Les consultations sont ouvertes. Et on va tomber à court de dépôt de ravitaillement, merde. Là. Et de 1. Si on pouvait s'en faire un deuxième rapidement. J'arrive, j'arrive. Je vais surveiller. C'est bon, vous en sortez. On va bien vous étaler sur le bord. Couvrez bien le bunker, ça devrait passer. On est piégés par les airs. Ils sont enterrés tout autour de nous. Si vous pouvez venir jusqu'ici, aidez-nous. Yep. On arrive. Alors, vous êtes où? Par là? On va vous aider. On y va. Normalement, on devrait continuer à faire des unités dans le même temps. Hop, hop, hop. Si possible, directement dans le bunker. Oh putain, il est du monde. Prenez-moi ça. Ok, ça passe. Un petit enterré, c'est bon. Coucou! Les gars, ça fait plaisir de vous voir. Une seconde, on vous suit! Allez, suivez-nous. On va nettoyer les herbes du coin. On a besoin de vous. Là. On a besoin de renfort. J'arrive. Oh, il y a un truc qui arrive dans notre tronche. Non, c'est bon. Impeccable. On s'en fout. On va retourner là-bas. On va peut-être retourner chez nous en prévision de la prochaine vague. Je le sens pas. Plus de médic, plus de marines. Voilà. Qu'est-ce que... Pourquoi il est parti de... Apparemment, on en a qui sont restés dans un coin, c'est con. J'ai failli attendre. J'espère que c'est du sérieux. Allez, remplissez-moi ces bunkers. Les consultations sont ouvertes. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Ah, on a oublié ça. Hop, 1, 2, 3 et 4. Ça devrait tenir quelques temps. Évacuation dans 12 minutes. Ouh, il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Touche pas à mon bunker. Ah, bien. Un petit VCS pour réparer. Maintenant que la réparation est automatique. Dès qu'un VCS est inactif à côté d'un bâtiment endommagé, il va le réparer. Ça, c'est bien pratique. Ils sont en train de construire des défenses, les ergs. Faudrait qu'on les empêche de le faire. Ça va nous compliquer la tâche si on les en empêche pas. Allez, chopez-moi ces erglings. Voilà. Propre. Allez, 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 hop, 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 cramez-moi ça, impeccable. Bon, on dirait que ça se passe pas trop mal. Ah, oui, Muta, salut. Ah merde, chez nous. Du mutalisk. Go. Réparation, réparation, il est où qui répare? Il est là, c'est bon. Nous on avance. Coucou. Continuez les gars, notre taxi est en route. Allez, allez, on avance, on avance. Oula. Ouh, il est du monde, oui, il est du monde, oui, il est du monde. On tente, allez, on bouge pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouh, il y a des ressources, il y a des ressources. Allez, hop, hop. Ramez-moi ça encore. Je vous verrai sur notre gueule. Vous en êtes où, là, de la reconstruction? Vous, il nous faut un réacteur, il nous faut un autre baraquement. Il nous faut des renforts immédiatement.
L'ennemi nous encercle. Quelqu'un m'entend? Oui, oui, on entend, on entend. On a été un peu con et on n'a pas d'unité de défense. Ah, mais vous êtes là, vous! On était doublement con! Ok, vous avez besoin d'aide. Ça tombe bien, on n'est pas loin. On arrive! Bien, commandant. Ok, c'est bon. On est avec vous maintenant. Super. On va essayer de faire des trucs ensemble. Ah merde, il y a des troupes qui arrivent chez nous. Oh, retour à la base, retour à la base. Non, non, toi, marine, toi, médic. C'est bon, les renforts sont là. On y va, on va essayer de raser une base ennemie. On a 8 minutes pour le faire. Et nous, il faut qu'on se défende un peu mieux. Hop, plus de bunker. Toi, encore un réacteur. Et il nous faut plus de marines, absolument plus de marines. On y va. Oh oui, ils font des défenses là. Non, 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 non. C'est chez nous là. On va essayer de lui péter une base au moins. Attention à ces merdes. Allez, 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 crée-moi tout ça. On y va, on y va, on y va. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On rentre, on pète tout ce qu'il y a. Cramez les défenses, cramez les bâtiments. Oh putain, neutralisque. Ah, secours. Cramez ça, cramez les bâtiments. Comment ça, la base est attaquée? Mais non, on a plein de troupes. Regardez, ça tient, ça tient. On est dans leur base. Rentrez dans les bunkers. Pas de médic dans les bunkers, ça sert à rien. Allez, push de marines. Mais si, mais si, il y a du minerai. Regardez, on est chez eux, on les massacre. Allez, on avance, on avance, on avance. Cramez cette base. Ça fera autant d'ennemis en moins après. Hop là, la ruche qui pète. Impeccable. Ils sont juste en dessous de nous, les enfoirés. Hein. Plus de gens dans les bunkers, c'est possible. Allez, on avance. Et... Attention, il y a de la défense. Mais non, on a une bonne défense sur la base, vous en faites pas. Ça crame! Ah, 20 PV, non, 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 pas mon bunker. Il a pété ou pas? Non, il pète pas. Ah si, là, il pète. Ouh, non, ça tient pas. On va bientôt sortir de là. Ah, yes! La base est nettoyée! Et une base zerg en moins. Oh putain, on les a bougé. On est un peu con là. Allez, on fait la jonction avec les renforts. Est-ce qu'on essaie d'attaquer une autre base? 4 minutes? Ouais. Mais si, mais si, on a assez de minerai. On y va, on avance. Hop là, c'est reparti, encore une base à péter. Les mutalismes, on va les faire fondre. Pas de soucis là-dessus. Allez, tenez bon. On va vérifier dans la base 2 secondes. Faut des réparations. Hop, 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 hop. Regardez ça, tranquille. On n'a pas besoin de s'enfuir, nous. On reprend la planète. Allez. Et bim, encore une ruche qui passe. Ah, 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 ah. Ah, il se dit que c'est de la mignonnette. Regardez-moi ça, hop là, allez défense, hop là, hop là, hop là, plus défense, hop là, plus seigneur, allez. Il peut des zergs, il peut des zergs, il peut des cadavres de zergs surtout. Hop. Et lui, il explose comme un ballon de bruche, là, poulon. Mais allez, ça tanque, là, on est tranquille, nous. Qu'est-ce que c'est les dépôts, regarde. Hop, hop, hop. C'est bon, c'est nettoyé, on continue. Et... Salut. Fastoche. Ah merde, on se fait attaquer dans notre base. Attention.
Ils attaquent notre ligne de défense, notre ligne... Non, pas notre ligne de défense, notre ligne de récolte. Allez, on rentre dans le tas, cramez-moi un maximum de zerg avant qu'on soit obligé de se barrer à cause du scénario. Hop là! Attention à ces saletés. Ah merde! Ah, c'est peut-être la fin de notre assaut là. Tenez bon! Tenez bon! Ouais, c'est l'assaut final. Des tonnes de zerg qui sortent par les vers de Nidus. On s'en fout, nous on tient! Allez, allez, tenez bon! Plus de médic. Ah, plus de minerai. Ah oui, en même temps, on a perdu pas mal de nos VCS. Commandant, ici Matorner. Tenez le coup, la cavalerie arrive. Brouille-toi, brouille-toi, parce qu'on va pas tenir extrêmement longtemps. Ah, ça tombe bien, là. Ils arrivent bien à s'en sortir quand même, les petits salauds de zerg. Hein. On va les tenir les 30 secondes, là. Oui, on a trop de bâtiments pour que... Mais il rentre. Je dois dire qu'il rentre. Le fait qu'on ait envoyé toutes nos unités attaquer au lieu de rester sur la défensive, ça nous a fragilisé. Décolle. Voilà, t'évites la majorité du DPS. 5 secondes. C'est bon, ça tient. N'importe quoi. On aurait pu rester dans notre base et ça serait beaucoup mieux passé sur la défense. Mais ça aurait été moins drôle quand même. Alors regardez-moi ce beau cuirassé. Petit pas magnifique ce qu'il nous fait là. Allez, cramez tous. Il n'y a plus grand chose à sauver là. La cavalerie est arrivée. Il reste des survivants par ici. Un peu. Pas grand monde. Bienvenue à la fête. Content d'arriver à temps, commandant. Maintenant nous allons vous sortir de là. Cool. Et victoire! Victoire! Unité ennemie tuée 805, unité perdue 167. Bâtiment recyclé perdu 38, couveuse détruite 5 sur 8, on a détruit plus de la moitié des couveuses. A noter qu'il y a un petit achievement là, détruire 4 couveuses en mode difficile, nous on est en mode brutal, donc bon, tranquille. Sans perdre un seul bâtiment, ça c'est facile en mode normal, suffit de... Là on a perdu, cet achievement là on n'aurait pas pu l'avoir vu qu'on... Première chose qu'on a faite dans la mission, c'est quand même recycler deux bâtiments. Donc. Enfin bon. Ben voilà, une petite victoire. On va voir ce qui se passe maintenant. Maintenant que l'Hyperion est venu nous sauver. Parce que oui, c'est l'Hyperion, que vous auriez pas deviné. Hein. C'est le vaisseau amiral de Raynor. Son petit cuirassé chéri. ...6h21, heure locale. Là, c'était vraiment à deux doigts, Matt. Je ne vous ai jamais laissé tomber, commandant. C'est pas faux. Et maintenant, sors-nous de ce merdier. À toutes les batteries, concentrez le feu sur l'avant. Allumage des moteurs 2 et 6. À tout l'équipage, parez pour le saut à mon signal. Maintenant. C'est très joli le moteur hyperespace. Qu'est-ce qui s'est passé? Le saut hyperespace. Depuis des années. Pourquoi ils attaquent Marsara maintenant? Ça ne concerne pas uniquement Marsara. Il faut que vous voyez ça. Ça va faire qu'à lancer une attaque à grande échelle. La destruction se répand sur toutes les planètes de la périphérie. Subit de lourdes pertes. Fait des milliards de victimes. Les Zergs viennent à l'instant d'attaquer une installation de recherche militaire du Dominion. On est censé avoir des images, là. Oh putain de bordel de Dieu. De nouvelles images explosives confirment que c'est bien la reine des lames qui dit... On a un bug ? On n'a pas l'image ! Oh la gouze ! Oh, ça ruine toute la cinématique, là. Ce qu'elle a commencé.
Oh, c'est dégueulasse, on n'avait même pas l'image. J'ai rien suivi de la cinématique, du coup. Ça m'a complètement ruiné le truc. Impossible de savoir ce que vont nous balancer les Zergs ce coup-ci. Commandant, il faut nous assurer que notre matériel et nos munitions feront le poids. Ouais, je vais voir avec Swan à l'armurerie. Ouais, surtout ton matériel vidéo, là. Désolé de vous demander ça, monsieur. Mais y a-t-il une raison pour que ce repris de justice traîne encore sur ma passerelle ? Du calme. Ticus est un de mes plus vieux amis. Il m'a sorti d'un vrai merdier il y a quelques années. J'ai une dette envers lui. Mais votre ami a un casier judiciaire aussi long que... Que le mien ? Crois-moi, si Ticus Findlay voulait me tuer, je serais déjà mort. Compris, commandant. Mais on sait quand même que c'est Arcturus qui l'a libéré. Il y a un truc pas net. Ah, Hyperion. On a plein de choses à y découvrir. Mais ce sera pour le prochain épisode. C'était avec Affaires Critiques pour un petit peu de Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker-le, partager-le, commentez-le, posez-moi toutes les questions que vous voulez, que ce soit au niveau tactique, au niveau histoire, au niveau achievements, ce que vous voulez, je me ferai toujours une joie d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine mission. Bye !